Allez, salut à tous les amis, c'est l'heure to play. Je suis en compagnie de Stags. Salut Stags. Yo. Oh, mais dis-moi, mais tu as un espèce de double sabre laser. J'ai encore changé de perso surtout. Ah putain, mais troisième fois que tu changes de perso, enfin deuxième fois plutôt, mais encore un nouveau perso. Alors qu'est-ce que c'est? Vas-y, dis-nous tout. Je connais pas le nom en français, mais en anglais c'est Assassin. Ok, un assassin, ouais, en gros. Je pense pas que ça s'appelle comme ça en français, mais si ça se trouve ils se sont pas fichés, donc oui. Ouais. Ouais, bah... Je vais pas essayer d'expliquer la classe puisque les gens, s'ils veulent savoir ce que c'est la classe, ils reviendront sur internet. Ok, Voilà. De bon, en gros, on se toute doute façon, au que... niveau 12, je vais pas pouvoir dire beaucoup sur ce que c'est. Ouais, en tout cas, t'aimes bien la classe, mais on se doute que c'est... tu seras spécialisé dans le camouflage, la furtivité, le combat rapproché et rapide. Et les coups de pute dans le dos qui font bien Voilà, mal. exactement. Et... Principe de l'assassin. Ouais, c'est ça. Ça va un petit peu arriver. Et vous vous demandez sans doute, mais quel est cet endroit un petit peu bizarre? Ben, nous sommes sur la flotte, sur le vaisseau de la flotte de l'Empire. On a quitté cette planète de départ à la con là qui s'éternisait depuis je sais pas combien de... Ouais, 5 vidéos je crois, il me semble. 5... Ouais, non, 6 vidéos. C'est ça. Non, même 7 vidéos, pardon. 6, 7 vidéos. Exactement, 7 7. vidéos. Une que j'ai pas encore montée. Qu'il faut que... Ben, mais bref, donc j'ai choisi ma classe, j'ai pris que, je sais pas ce que j'ai Opératif ou je sais pas quoi. ouais, voilà, c'est ça, agent secret, ouais, pardon. J'avais complètement oublié, agent secret. Donc, on allait parler à des mecs ici qui m'ont appris ma classe, et donc ma spécialité c'est de pouvoir healer, de pouvoir, de faire des dégâts de loin, pas autant qu'un tireur d'élite, mais bon, voilà, je suis un peu un support. Stack de lui va au combat rapproché, ben moi je peux le healer, voyez-vous, avec cette nouvelle ce nouveau pouvoir. On a une nouvelle arme de compétences avec plein d'aptitudes, trop bien. D'ailleurs, je vais réitérer le petit conseil que tu m'avais donné tout à l'heure, c'est-à-dire de prendre cette barre ici, de l'activer, de sauvegarder. Voilà, comme ça on a les deux barres visibles. Et pour les combats, c'est Ouais, je devrais aussi t'expliquer comment on fait pour faire les raccourcis pour cette barre, mais bon, on n'a pas le temps dans l'immédiat, je devais déjà te l'expliquer à la fin de l'avant-dernière vidéo du coup, ouais, c'est pas grave. mais j'ai pas pris le temps de le faire. C'est pas grave. Désolé. C'est pas grave. Mais alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait alors? On continue la quête principale, on va plutôt se focus sur la quête principale en vidéo, parce que sinon il y a des petites quêtes comme ça, on en fera quelques-unes, mais bon. Faut pas trop polluer parce que ça va vite devenir lourd. Déjà que là, vous voyez, on doit faire une instance. Ben, on la fera la prochaine fois, on fait une instance en vidéo, ok? On Ok. se fait une des instances parce que c'est une des quêtes qu'on a là. Il y a des zones de guerre, c'est ça. Bref. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est la voie mène à Dromoudkas. Donc il faut que j'aille prendre une navette. Je sais pas si c'est le cas pour toi aussi. Probablement, mais dans ce cas, tu vas dans le mauvais sens. C'est exact, très cher. Nous devons nous rendre. Ouais, on doit prendre l'ascenseur et monter ou descendre. Petite précision aussi pour les gens qui regardent, il a enfin son sprint, Ah donc oui, je suis pas voilà, oui, obligé de voilà. désactiver le mien Merci. pour qu'il puisse Vous suivre. voyez, si je le désactive, tac. Ah oui, ça change un petit peu, hein. On se rend compte qu'on est vraiment de l'heure. Maintenant, je l'active. Wouh! Bon, c'est qu'un début, après, on aura bien sûr. Un petit peu de temps quand même. Ok, donc on va se prendre une navette. Ah bah tiens, j'ai une quête à prendre ici. Ah mais oui, mais c'est ça là, ça c'est la zone. Oui, c'est le Ouais, ça flashpoint. c'est le flashpoint. Donc ça c'est la zone de litige, donc c'est une instance, ouais, en gros. Ça va durer un peu de temps, on la fera dans la prochaine vidéo. Enfin, vidéo instance. Ok, t'es déjà là. Bon, je te rejoins. Je suis déjà parti, surtout. C'est Spatioport de Dromoudkas, ouais, c'est exact. Mais... Toi t'as la même histoire, c'est ça, ouais? Vu que t'as encore changé de perso, est-ce que c'est la même histoire? Absolument pas. Par contre, je viens de me renverser de là-dessus et ça fait très froid. Ah bravo! Bravo, bravo. Mais t'es fier de toi. Toujours fier. Ok, bon alors je sais pas où on est, ça doit être une planète impériale à mort. Il y a des impériaux partout, des mecs
en costume, qui tiennent des blasters. En fait, c'est là où t'as la capitale de l'Empire. Ah ouais, juste comme ça. C'est genre Coruscant pour la République. C'est ça. D'ailleurs, je sais pas si Coruscant, c'est une pizza comme la République. Si c'est censé être leur capitale. Ah, ouais. Je coucherai moins quoi, ce soir. Et on doit se rendre ben, en bas. Qu'est-ce que tu fais en fait toi? Ah oui, c'est vrai, t'as toujours pas chargé. Merci, merci. Voilà, ça c'est la puissance d'un putain de PC de malade. Qui n'est même pas complet. Voilà. Nous sommes des arrivées. Je vais faire un clic droit. Cette nécessite la présence de Kanyo Jennings. Oh merde. Ah oui. Ça c'est ton compagnon. Donc ouais. Va falloir temporairement dégrouper pour que tu puisses avoir ton compagnon. Ah oui, tout à fait. Bah, dégroupe alors. Hein. Regarde. Enfin, à moins que je puisse. Ok. Mais le truc c'est qu'elle est pas avec moi résultat. Si. Ah ça va m'activer automatiquement je pense. Non. Ah merde, alors j'ai peut-être oublié de la prendre. Faut que j'aille la rechercher ou quoi? Qui? Ben Kalio. Non, tu fais N et tu fais appeler le compagnon, un truc comme ça, je sais plus ça. Ouais, enfin T'as moyen de faire ça ou pas? Ben je sais pas, je vois son image mais je sais pas quoi faire. Fais des clics, enfin cherche les unicônes pas loin d'elle ou quoi. Elle demande à ce partenaire de vendre les objets de basse qualité dans votre inventaire. Ok, dans ce cas en bas à gauche, tu fais un clic droit sur son portrait. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Mais dans ce cas tu l'envoies vendre tes matériaux de merde et quand elle reviendra, elle devrait réapparaître à côté de toi. Ok. Seul défaut c'est que ça te fait perdre une minute. Tout à fait. Bon ben en attendant on fait les cons. Mais toi t'es où au fait? Parce que je te... Ah t'es là. Moi j'arrive, je suis là. Ah ça c'est... Par contre c'est ça ton... Ah oui, j'ai vu ça dans une vidéo. Ça c'est ton compagnon. C'est... Comment il s'appelle déjà? Ah oui non mais... Normalement il a un nom. Ah oui, Kemval. Kemval, ouais, c'est ça. Ok. Moi j'ai déjà fait cette quête par contre. Tu l'as déjà fait. Bravo. Moi je vais essayer de découvrir un peu. Alors je sais pas si vous avez vu mon nouveau stuff. Si je crois, oui je l'ai montré dans la vidéo juste avant. Et je viens de me rendre compte d'un truc, j'ai pas amélioré mon blaster parce que j'ai gagné un objet, voilà, c'est module compétence 1. Où je peux améliorer, on peut améliorer ses armes. J'ai oublié de le faire, peut-être qu'il y en a ici. Hein, des... Et il a la classe ce mec en bleu là. Avec des yeux rouges sur sa auto-jet. Bizarre. Mais toi t'as vraiment la classe avec ton double sabre laser. Double là. C'est là. Ah oui, il y a aussi. Tout à fait. Ah ben voilà. Faudra qu'on discute à l'occasion. Kalio est enfin avec nous. Youhou. On peut se grouper maintenant ou pas, non? Ah oui. Ah ben, t'es où? T'es là-bas. Si on était sur Uta, je serais en train de racler de la bouse d'alien de mes bottes. Bon, évidemment, si on était sur Uta, je risquerais pas de me retrouver en prison pour avoir touché de travers. Bon alors, agent, tu vas me souhaiter la bienvenue sur le monde d'origine de l'Empire, oui ou non? D'accord. Bienvenue sur Dromund Kaas, Kalio. Ça fait plaisir à entendre. Je commençais à croire que j'avais pas ma place ici. Bon, allons faire un tour en ville. Cerber voulait nous voir dans la citadelle. Quelque chose me dit qu'elle sera pas dure à trouver. Dans ce cas, allons-y. Ton compagnon est tellement plus classe que le mien, par contre. Ouais, je sais. Mais ce sera ma femme bientôt, hein. Ce sera ma bitches. Ça, c'est... Ok. On avance. Alors attendez, ouais c'est ça, on doit prendre encore un ascenseur. Et en fait là les gardes ils ont des têtes de Stormtrooper au final, ouais c'est ça. Ouais. Bah c'est des clones. Ouais c'est des clones, mais 3000 ans avant ce qui s'est passé dans l'histoire du film. Donc, j'ai l'impression qu'ils sont vachement plus classe que ceux qu'il y a dans le film. Oui non d'ailleurs, c'est pas des clones. C'est pas encore des clones. C'est pas des clones. Je faisons. Par contre, ouais, toi tu vas pas aller au même endroit. Non, je devais pas aller là surtout en fait, personne peut être là. Mais non, je dois pas aller au moment. Donc toi, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller là où toi tu dois aller. Je vais arriver à parler. Ok. Si tu rentres, t'entends pas. Je vais aller... Je vois, il y a une quête à côté de mon objectif, je vais aller la choper. Donc, ça sera fait. Tic. Hop. Ah oui, mais alors, ouais. Enfin, la chance me sourit. Elle est grosse. Et elle a des gros boobs. J'aurais besoin de vos services.
Seigneur Kras doit bientôt s'entretenir avec le ministre de la guerre afin de le conseiller sur nos prochaines actions pour la République. C'est marrant parce que la première chose qui t'a choqué, c'était pas le fait qu'elle soit black. Je serais ravi. Je vais pas suivre, je te sens. Et vous n'en faites pas partie. Vous n'avez donc pas participé au combat récent. Mon froc est trop. J'ai passé ces 6 derniers mois sur Dromundkas et la galaxie change vite. S'il vous plaît, faites en sorte que ces documents parviennent au plus vite au Seigneur Kras dans la citadelle. Ce n'est qu'avec la sagacité et la sagesse des Sith que nous pouvons espérer remporter cette guerre et écraser cette maudite république. Tout à fait, oui. Ok, bon, bah j'ai une quête en plus. Oh ! Joli jeu. Oh, c'est la... Vous avez un monde effrayant. Ah oui, c'est... Il est prêt pour nous ? C'est la jungle. C'est la classe, ça, par contre. T'es où ? Ah, ok, d'accord, t'es juste devant. Exact. Bon, par contre, silence pendant les dialogues. Bonjour à tous, je suis le commandant Rila. Yo. Vous ne pouviez pas mieux tomber, j'ai une affaire urgente à régler. Quelque chose excite les bêtes de la jungle, ce qui rend la route qui mène à Cass City très dangereuse. Plusieurs personnes qui voyageaient à pied ont disparu. On m'a même signalé que certaines bêtes s'en sont prises à l'esprit. Coupe ton micro, Tax, quand il y a les dialogues, parce qu'en fait on les entend. Il est déjà coupé. Ah bon? Mais comment ça se fait qu'on entende les... Ah merde, attendez, j'ai été formé pour résoudre ce genre de problème. Quelqu'un a besoin d'aide ici. Étant donné les circonstances, je pense qu'il nous faut justement quelqu'un ayant... C'est pas des lunettes, c'est des cybernétiques. Il y a deux équipes de commandos dans la jungle pour éliminer les bêtes, mais personne n'est jamais revenu. Un des chefs de l'équipe a envoyé un holo message d'urgence. Je vais vous le montrer. Je répète, les balises d'atterrissage dégagent une forme d'énergie. Ça rend les bêtes folles. Je peux pas m'approcher suffisamment pour dévier l'énergie. J'ai perdu mes hommes. Les bêtes se rapprochent. Ok. J'ai besoin de rampe. Les capteurs enregistrent des relevés énergétiques inhabituels dans la jungle. Les balises d'atterrissage du spatioport semblent en être la cause. D'accord. Je vais m'en charger. Je dois juste savoir où aller. Merci. Une équipe aussi talentueuse que la vôtre, c'est exactement ce qu'il me faut. Tout à fait. Les balises d'atterrissage du spatioport sont dispersées dans la jungle avoisinante. Vous devrez dévier l'énergie de toutes ces balises. Je resterai ici pour suivre vos progrès. Revenez quand vous aurez terminé. Bonne chance. Les prédateurs de la jungle sont féroces. Ok. Et je peux pas m'empêcher de remarquer que ton armure a juste la classe, vraiment. Regarde ça, c'est beau. Et ton pote aussi à la classe. Non mais vraiment. Vraiment c'est... Tu es très charismatique. Ok bon. Alors on doit stay où? Ah oui attends, juste avant ça, je vais débloquer ce truc de motojet avant que j'oublie parce que sinon ça va être la merde. Pareil au départ. Il n'y a pas une borne ici non? Il n'y a rien à débloquer ici la borne. Oui. Ouais c'est de l'autre côté ou je suis plus haut. Non c'est ça, elle est là. Ok. Je peux pas la débloquer, je crois. Parce que tu l'as peut-être déjà débloqué tout le monde sans le savoir. En automatisme. Ah, et il y a un... Ah, on a... Ah, mais c'est ça... Ok, c'est un HUD qui nous vend nos compétences. Ça, c'est un truc qui a été appelé par un autre joueur. Ah, merde. C'était trop beau pour être vrai. Ok, donc, on a une quête juste ici, je suppose. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu peux pas voir si quelqu'un qui vient de le faire juste avant nous. Ah merde. C'est pas grave, on repassera. Ah non, c'est bon. C'est bon. Hey. Alors, je le fais. Ça, c'est parfait. On doit faire quoi juste maintenant? On doit faire ça pour plusieurs? On doit se diriger vers la capitale. Ah, okay. Pour ta quête. Bah allons-y, attends. Je zoome un peu, voilà, histoire qu'on soit bien prêt. Et y a pas d'ennemis. Ouais, c'est à partir de là-bas, ouais. Ok. Il y a l'air d'avoir des grosses bêtes. Ah oui, on peut passer ou pas? Non. Merde, comment on fait? Ah d'accord, ok, on va parler à ce monsieur. J'arrive. Bonjour monsieur. T'as commencé à gagner la truc sur moi. Poste de garde, non? Désolé. C'est parti. Bonjour monsieur. Drôle d'endroit pour un poste de garde, non? Oui monsieur, effectivement. Depuis qu'on n'a plus de speeder, certains ont décidé d'affronter la jungle profonde et de se rendre à Cass City à pied. On a eu quelques pertes, dont certaines personnalités. Le capitaine Tolto nous a envoyé pour empêcher les gens de passer et fouiller un peu le terrain. Ok. Bah pathétique, laissez-les mourir.
Les gens qui sont assez idiots pour se promener dans la jungle méritent ce qui leur arrive. Comme vous dites, mais les ordres, vous savez ce que c'est. On a réussi à obtenir des analyses. On a même pris quelques holos. Il y a de vilaines créatures dans le coin. Du genre à ne pas déranger. Malheureusement, notre coursier a perdu une jambe suite à ses découvertes. Si vous retournez au spatioport, vous pourriez remettre les disques d'observation au capitaine Tolto. On peut s'arranger. Bien sûr, pourquoi pas. Oui, j'ai un peu de temps. J'apprécie. Plus vite il saura ce qui se passe ici, plus vite on pourra prévenir la population. Et en fait, t'es carrément en train de m'exploser au nez, toi. Eh oui, ça change de hier où je faisais que des jets de 1 voilà, en ça, répétition. Ouais. Ou c'était ce matin, je sais plus. Okay, bon alors. Ici, bon ok, en gros, faut qu'on aille dans la jungle. Et c'est des bestioles un petit peu bizarres. Elles sont vachement plus coriaces. Bah, faut dire qu'en même temps là... Ok, bon, en fait on les déglingue. Ah mais c'est ça les trucs qui ressemblent à des gremlins. Regardez, on est d'accord, regardez la tronche quoi. Ça ressemble à des gremlins. Exactement la tête des gremlins avec les oreilles pointues, bordel. Je proteste, je conteste, je suis pas d'accord. Moi je te dis que ça... Ah attends, j'ai plein de quêtes à faire par ici là. On est censé aller à la capitale au fait hein. Ouais mais attends, y a plein de quêtes à faire. Ouais, gars. C'est quoi ça? Oh attends, fais gaffe, y'a un mec là. Attends, je me cache ici. Vas-y, je te couvre. Enfin je te soutiens plutôt. Je t'envoie une grenade. Et une petite Ah bah je vais te soin aussi. Hey, voyez, sort de soin. Voilà, je lui soigne 300 PV dans les environs. Voilà. Et je peux te soigner de très très loin. Ça, c'est super pratique. Tac. Je vais plutôt faire des dégâts là. Tac. Je t'envoie une sonde. Plus une petite grenade, ça va t'aider. Alors, je vais prendre. Je te soigne. T'as l'air d'avoir besoin de soin, non? Comment tu t'en sors? Sois mon pote surtout en fait. 106 de crédit, c'est pas mal. Ton pote, ouais. Pas de problème. Alors par contre... Laisse tomber, là, c'est normal. Ah oui, par contre, je peux pas l'avoir avec les touches F1, je suis obligé de le sélectionner. Ok, bon, pardon. Et décidément... Faux. C'est Shift F1. Shift F1. Ok. Décidément, j'arrête pas d'oublier de faire mieux mon Facebook. On progresse. Ah ok, mais en fait j'ai compris, c'est que c'est au-dessus. Les objectifs sont au-dessus de la montagne. D'accord. C'est pour ça. Bon bref, c'est pas grave, on s'en occupe pas. Nous, ce qu'on veut, c'est... ok, c'est ça. On doit aller à la capitale, bah let's go. Arrêtez de faire le tour de ce bordel quand même, ça a l'air d'être plein de mobs élites. Ouais. Tout à fait. Bah ça peut être histoire d'XP un peu aussi et puis c'est un peu d'action genre. Surtout histoire de perdre du temps en fait. Ouais. Puisqu'on devra revenir après pour faire une quête donc. Ok, pas de problème. Je t'ai. Oh wow wow. Eh hey, c'était quoi la pause café ici? Oh là là, je te jure. Putain, je fais pas de dégâts par contre. Hein. Ton pote, est-ce qu'il a besoin de soins? Non c'est plus mon compagnon, c'est Calio qui a besoin de soins. Yeah. Moi je spam les tirs Bon je vais. Ouais Carlio elle prend très cher, c'est plutôt soigné. Non c'est ça. Mais merde, je me suis soigné moi. Alors ça je... Et on gagne vachement de crédit hein, ici, c'est abusé. Là enfin on va pouvoir XP, il va y avoir du level quoi, il y a une petite difficulté. Enfin. Deux secondes, je soigne juste Carlio. Calio, pardon, Carlio. Encore un petit coup. Yeah. Et tu vois, je t'ai dit que j'avais une compétence furtivité. Regarde. Ah je peux pas. Ah oui merde, je peux pas l'activer en combat en fait. Ça. Je remarque à deux, en fait, bien coordonnés, on fait la masse de dégâts quand même. Après on a surtout la possibilité de faire du crowd control quand on est deux, puisque moi par exemple j'ai un sort qui...
Désolé, mon frère qui est en train de gueuler derrière, qui le rend inapte à faire quoi que ce soit pendant genre une minute. Ah ouais, d'accord. Ah ça c'est pratique ça. Mais moi aussi je crois. Ah oui, non, c'est pas avec ce perso. Regarde, coupez ton furtivité. Tac. Voilà. Je suis furtif. On est d'accord. Toi-même, tu es toi-même furtif. Ah merde. Ça par contre c'est pas prévu. Ah oui, par contre ça dure pas très longtemps et je me fais démonter. Attends, je back et je me soigne. Hop, je sais pas où est Kallio. Ouais, je crois qu'elle se fait démonter, Kallio. Ah, Kallio. Je vais essayer de la soin. Oh oui, c'était beau. Oh, le soin. En même temps, cette conne, elle a attaqué le mec que j'avais mis en disponible. Mais je me fais démonter. Je vais back. Attends. Ah là 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 là. Est-ce que ça c'est pour moi? Oui. Je vais me soin. Oui, oui. Tout à fait. F1. Je sais pas si tu t'en sors. Dis-moi si t'as besoin d'aide. Je suis full life. Ok, pas de problème. Bon, je vais en profiter pour me soin à mort. Voilà. Alors, est-ce que je peux ressusciter mon coéquipier, non? Ah oui, d'ailleurs, t'es en train de la ressusciter. C'est ça, non? Non, j'ai reste le mien, je sais pas où il est le tien. Allez, juste quoi. Ah, par contre, ça va être problématique. Je ne sais pas où est... Attends, je soigne. Là, ouais, alors par contre, ça c'est un peu bête. Ah, elle est là, ok. Il suffisait de faire shift à fond. Pour cibler mon compagnon, c'est shift F2. Okay. Pour cibler le tien, shift F1. Ok, c'est noté. Bon, hop, encore un petit peu de soin. C'est nickel, on peut y aller. On va où là en fait? Bah, la capitale. Hein. C'est... Oui, c'est par là, je crois. Je sais plus. Tout à fait. Attends. Non, c'est pas du tout par là. C'est par là. Voilà, là. Dans ce sens-là, oui. Là, je suis d'accord. Que penses-tu de parler de 45 minutes, là, pour... Parce que là, il est déjà 22 minutes et on a rien fait. Tu voulais faire quoi? Un peu plus longtemps. Ouais, y a pas de soucis. Bon, on fait ça, alors. C'est parti, zone ami, on tire pas. C'est un point de passage juste là. Okay. Mais voilà, ça me fait rien. Ah si, vous avez découvert, ok. Hop. Ok, on a déjà fait une première liaison. Ah, attendez, je crois que j'ai... Enfin, attends, s'il te plaît, j'ai un courrier. Ah, mais c'est toi. Ah, tu m'as envoyé du stuff. Ah, c'est sympa ça. Que tu peux pas encore équiper. Ok, j'ai reçu un message. Merci. T'es où juste Ok, j'arrive. Silence. Mais punawa, tu peux tout te back patra. Wonga wonga. Quoi que, on s'en fout, il parle en Choski. Noyo que tu sautes mate chichoya. En Twi'lek. C'est vrai. Ça change pas grand-chose du coup. On parle en Twi'lek, des résultats, on comprend que dalle. Pourquoi on t'attend là en fait? J'ai même pas la foi de lire les sous-titres. Oh. Ok, bon, alors ça parle d'une histoire de chasse des Mandaloriens. Je ne comprends pas bien. C'est un mélange de chasseurs de primes, d'humains. C'est rapide. Bon, on va passer les dialogues hein, parce que c'est pas... Vous avez parlé de crédit? Et qu'est-ce que j'y gagne au juste? D'accord. J'ai vu Craig arracher le bras d'un dark à main nue parce qu'il avait assez... On avait assez de tuer au blaster. Je préfère que ce... Pas de crédit bien sûr. Je cherchais une raison pour semer le chaos. Au moins. Il y a beaucoup de partisans, ok.
Ok, bon. On doit aller désinguer du mob alors. On doit surtout aller à la capitale dans l'immédiat. Ouais, dans l'immédiat, ouais, c'est le principal. Bon bah on trace et on s'arrête pas alors, hein. Ouais, gars. C'est parti. En plus avec le... Ah, j'ai cru que c'était toi là. Ouais, on trace, on s'arrête pas. Alors pourquoi mon sprint s'est arrêté? Alors à moins que ce soit moi. Tu t'es fait aggro peut-être? Ah ouais, je suis en combat. Ah putain, c'est ma conne de compagnonne. Mais elle est où? Non, je sais pas où elle est. Là. Ah, mais qu'est-ce qu'elle est conne. Attends, je la soigne et après on y va. Et je soigne pas mal mine de rien. Attends-moi, j'arrive. C'est bon. Mais par contre, est-ce qu'il y a un moyen pour leur dire de ne pas attaquer comme ça là? Passivité, c'est ça? C'est ça. J'arrive. On trace, on trace. Alors, on s'est pas gouré de chemin, non, c'est bon, ok, il y a l'air d'avoir plusieurs. Ah merde, c'est fait aggro. Oh, elle prend cher. Allez, par contre, là, attaque. Du palais. Ok, d'accord, alors faut lui ordonner d'attaquer. J'ai même pas eu le temps de sortir ma grenade. Ah, sympa. Alors ça, c'est pour moi, ouais. Quoi? Que dalle, c'est pour moi, mais... Ah, mais merde. Bah, dis-le moi quand c'est pour toi, alors. C'est pas grave. Non, mais tu regardes les stats que c'est. J'arrive. Pas de problème. Hop, désolé, j'avais juste envie de vous amuser là. C'est pas grave. C'est parti. Bon, là on arrête. Hop, et le finish qui tue. Et ça me fait beaucoup d'XP, c'est un truc de malade. C'est par ici. On essaie d'aller au nord. Ouais, ouais, ouais. Je suis encore fait aggro. Attends, je me suis juste armé. Ah nickel, ouais, t'as sorti la foudre. Ouais, on s'arrête pas. Et on arrive à Cassidy. Enfin pas encore, mais on voit déjà les... Putain, c'est la classe. J'adore la luminosité de cette planète. Encore une fois, j'ai les graphiques au minimum, donc je sais pas de quoi tu parles. D'accord. Attends, je prends juste la quête qui est ici. Enfin, quelqu'un qui... Toi, tu la prends, moi, je la rends. Ah, d'accord. Okay. Enfin, quelqu'un qui garde la tête froide en pleine crise. Des esclaves rebelles ont attaqué mon équipe dans la jungle. Ils ont volé des armes et du matériel. Et pour couronner le tout, ces idiots ont pillé nos flèches. Avec les composants manquants. Nous avons une flèche à éclair qui atteint des niveaux d'énergie dangereux. Si elle explose, la moitié de Cassidy laissera place à un cratère. Combien de temps avant que la flèche explose? Je ne sais pas trop. Il doit nous rester assez de temps pour donner l'alerte générale. La plupart de mes hommes ont fui. Certains ont voulu reprendre les composants. Mais les rebelles les ont pris. Je suis revenu en renfort. Oh, il y a un bruit très bizarre là. Et remettre la flèche à éclair en état de marche avant la catastrophe. Par-dessus, c'est pas moi, mon micro est coupé. Ok. Ok. Bon bah... C'est parti. Ces idiots de rebelles vont regretter d'avoir trafiqué les flèches. Et en plus j'ai de l'affection. Excellent. Avec Kallio. Je vais attendre encore un peu avant de sonner l'alarme. Les rebelles se trouvent le long de la rivière. Éliminez-les. Reprenez-leur les composants volés. Et venez les réinstaller sur la flèche. Et c'est faux, t'as pas gagné d'affection tant que ta quête est pas finie. Bah je sais pas, il y a écrit 11 de sociabilité plutôt. Non mais je sais pas, il y a la tête de Kallio avec... De Kallio, putain j'ai du mal avec... Non mais il y a sa tête avec 11 points d'acide d'affection. Les points ils seront donnés qu'à la fin de ta quête. Parce que sinon on enchaînerait juste en abandon de la quête et en reprise. Et en... Ouais. Non. Je vais débloquer le truc ici. Destination. Ok, on a découvert la capitale, nickel. C'est marrant qu'on entre. C'est par ici, ouais.
Let's go. C'est parti. Putain, ça a la classe, dis donc, hein. Yo les bitches. Dialogue. Une seconde, s'il vous plaît. Ah, vous avez des collègues. Inattendu, mais peu importe. Veilleur 20, service secret de l'Empire. Bonjour. Veilleur 20, autant de pouvoir. J'imagine que vous avez l'accord de Cerbère pour me contacter à ce sujet. Tout à fait. Nous avons son accord. Contourner la procédure ne sert à rien. Vous êtes nouveau sur Dromunkas. Un groupe unique pour une situation unique. Je veux que vous alliez voir un homme. Allez, et si, même si ton micro est coupé, ça fait des gros bruits. Vous ne devez pas poser de questions. Des explosions. Tu veux me dire quoi? Ça fait moins de bruit comme ça? Bah, je sais pas, mais c'est bizarre, il y a des bugs. Bon, bref, c'est pas grave. Mais attends, juste un truc. Stupide, mais les doublages de ce jeu, ils sont quasi identiques à ceux de Skyrim. Là, le type à qui je parle, il a la voix de du Jarl Balgruuf dans Skyrim, pour ceux qui ont joué. C'est un truc de fou. Aucune idée qui c'est. Ah, mais c'est un personnage dans Skyrim. Ils ont à peu près tout. Enfin, tu vois, c'est. Ils ont pris les mêmes voix, c'est vrai. J'aurais dû savoir où je vais. Me trouver dans une situation que je ne comprends pas me rend nerveux. Mais je ferai mon devoir. Il s'appelle Manda. Il attend dans une cantina locale. Dites-lui que le seigneur du chagrin. Bonne chance. Nous ne nous reverrons pas. Ok, on se reverra jamais. T'avais une tête de cul, de toute façon. Alors c'est par où qu'on doit rentrer par contre? Ah oui, d'accord. Mais ça a vraiment la classe, hein. Franchement, j'ai pas vu ce que donnait Coruscant pour la République, mais en tout cas pour l'Empire, ça envoie du pâté, hein. Ça reconnaît. C'est où qu'on doit aller? Attends, je dois juste... Je vais juste débloquer le taxi du centre. Et après, je passerai par... j'irai à la cantina. Ok, c'est bon, j'ai débloqué. Voilà, comme ça, on aura plus à se faire chier avec les déplacements qui durent une plombe. Ok, salon Nexus Cantina. C'est parti. On va peut-être réussir à faire une petite quête avant de se quitter, parce qu'on n'a rien foutu. Mais ça prend tellement de temps, ce jeu. C'est pour ça qu'il faut faire des épisodes de long. Oh, ça a plus de gueule que le vieux trou où on était. Pourquoi c'est normal que mon compagnon ait une quête pour moi? Oui, ça s'appelle un endroit privé. J'aurais dû botter plus de têtes tant que ça tenait. Je suis sûr que t'as te manque. Tout ce temps passé dans les marécages, ne me dis pas que tu veux pas y retourner. Ah. Auprès de Nemro. Si je ressens le besoin de retourner auprès de ce hut, il me reprendra. Mais d'ici là, toi et moi contre la galaxie. De la sueur, des blasters et du plaisir. Oh oui, du plaisir. Vas-y, je vais tenter de te séduire. Du plaisir, pas de problème. Il va falloir qu'on se voit en privé, toi et moi. Oh, les avant. Quand tu veux, agent. Moi, j'ai pas de problème. Ça devient chaud comme discussion. Oh, 1000 points d'expérience. Ok, moi j'accepte. Attends, juste pour avoir parlé avec elle, elle me fait 1000 points d'expérience. Et on peut se spécialiser là, je crois que je peux choisir ma profession ici. Commerce illégal. Attendez, il y a plusieurs trucs. Investigation. Est-ce que c'est la même chose pour la République, les professions, non? Ça équivaut à la même chose, ouais. Je suppose. C'est les mêmes, mais t'aurais dû les prendre sur le vaisseau de la flotte, en fait. C'est pas très grave. On fera ça la prochaine fois. Je le ferai en off. Wow! Homme, bonjour. Avec la petite queue d'huile. Ouais, mais je veux dire, c'est pour cette soirée. La foule. Classe, là. 13, c'est tout. C'est moi, man. Ah, mais c'est toi, putain. Mais je me disais, il avait les mêmes lunettes, c'est... Mais t'as une armure de fou là, par contre. Non, ça serait de merde, ça serait que de social. Ah, c'est sympa. Ok, bon, c'est où j'ai une quête?
revenir dans la conversation. Tu as déjà fait cette quête. Non, je l'ai déjà fait. Manda, le seigneur du chagrin m'envoie. Écoutez bien, je ne le dirai qu'une fois. À la banque, vous verrez un officier de sécurité Chief. Remettez-lui ce jeton, il vous donnera un petit objet et des instructions. Maintenant, partez tranquillement. Merci, gros. Ok, bon, bah, je dois aller remettre un jeton à un mec dont j'ai complètement zappé. Non, mais fais ta quête de classe, man. D'accord. Alors, le truc, c'est que je sais pas où elle est ma quête de classe. Suis-moi. Bah, déjà, je sors de ce. C'est simple. Et j'arrive. Je te dis, suis-moi. Ah oui, c'est au taxi. C'est ça. Ok, pas de problème. Bah, je te rejoins de ce pas. Et on voit plein de Carlio. Oh, mais décidé. Ce prénom, il me trouble, hein, parce qu'en fait, ça me fait penser à Carjo dans Skyrim aussi, tu vois. C'est... Voilà, je te dis, aïe. Il y a trop de ressemblance. On va où alors? Taxi du sanctuaire ou alors Là où c'est en vert. Ben j'en ai deux en vert, c'est ça. Tu prends celui de gauche. Et puis les vaisseaux ont vachement plus la classe hein, aussi. En même temps c'est pas des motos jet là, c'est des voitures vaisseaux. Je pense qu'on a pas la même droite et la même gauche. Ben j'ai pris celui. J'en avais deux en vert, j'ai pris celui qui était à gauche en vert. Ah d'accord, t'avais celui tout à droite en vert. J'avais celui de tout à droite en vert, celui du milieu en vert et celui de gauche en normal. Ok, mais j'ai jamais eu celui de tout à droite en vert. Bon séjour. Ok. Bah écoute, je vais faire un tour, mais... Ah bah merde, je me suis gouré alors, je crois que je me suis gouré. À moins que... Non. Ah non, c'est bon. C'est bien par ici, faut que j'aille à droite. Mais de toute façon, t'as apparu au même endroit que moi, oui. C'est juste que c'est une passerelle... Ouais, voilà, c'est ça, on s'en fout, au pire. Ouais, faut que j'aille à celui de... tout à droite, quoi. Et je vais bientôt passer niveau 12, wouh! T'es niveau combien, toi, au fait? 13. Okay. Pour savoir, on n'a pas trop de... Pas trop d'écart. Mon chasseur de primes est 12. Ok. Bon voilà, c'est dans la même gamme des niveaux on va dire. Putain, c'est trop loin, je dois me taper tant de routes. Heureusement qu'il y a ce sprint. On va voir s'il n'y a pas moyen de... Non, ici c'est un duc, c'est ça qui a la con. Ce client la semaine dernière, je le savais. Personne ne peut acheter autant de pâtes à moins de préparer quelque chose. Et qui lui a vendu toute cette pâte, hein? La même cette personne qui a placé un traceur dans la boîte. Il parle de pâtes. Je retire ce que j'ai dit. Quand ils nous appelleront, tu devrais leur demander s'ils embauchent. Ok, alors c'est un peu chelou, il parle de pâtes là, et ça a l'air de faire un vieux trafic de pâtes. Des tripes chelou. Alors... Ok. Ce n'est pas votre domaine, Cerber. C'est le mien. Cela a toujours été le mien. Bien sûr, Excellence. Tout ce que vous avez bâti ici... Tout ce que vous espérez contrôler peut s'effondrer aussi facilement. Ah, on entend tes... Il y a une heure, le ministre des services... On entend mes quoi tes dialogues. Vous en feriez... Ils sont en anglais, les dialogues que t'entends. Il y a un truc pas normal, là, ouais. Excellence. Nous allons y remédier. Là, tu les entends? Je vous demande de bien vouloir partir. Pas fort. Ces personnes souffrent en votre présence. Je quitterai mon domaine quand je l'aurai décidé, Cerber. Vous, agent... C'est bien vous qui avez été envoyé sur Utah, n'est-ce pas? Mais il y a vraiment une tête chelou, ce Dark Jadus, il a même pas de tronche, quoi. Oui, c'est bien moi. C'est exact, Seigneur. Je suis Dark Jadus. Vous m'avez bien servi en réglant le problème avec Nemro. Vous me servirez à nouveau. Ah! Jusqu'où, exactement? Tout deviendra clair en temps voulu. Cerber, vous utiliserez celui-là. Il accomplira la mission comme je l'ai demandé. Il est très capable, Excellence. Mais il manque d'expérience. Un agent plus rodé... J'ai pris ma décision. Je tiens à ce que la situation soit résolue avant mon départ de Dromunkas. Assurez-vous que ma volonté soit accomplie.
Très bien, je ferai les arrangements nécessaires. Tout à fait, oui. Félicitations, agent. Merci. Vous vous êtes fait un ami au sein du Conseil Noir. Je ne vous envie pas. Faites preuve de plus de respect. Vous êtes à la limite d'insulter nos maîtres. Il n'y a aucun site présent pour vous protéger, jeune homme. Reprenez votre place. Je vous veux équipé et prêt à partir aussi rapidement que possible. Prenez votre équipement dans le vestiaire et retrouvez-moi dans mon bureau. Lorsque nous en aurons terminé avec votre débriefing, nous discuterons de votre prochaine mission. On fait comme ça. Hey, hey. Ah, j'ai eu un point d'affection négatif. Bizarre. Bon, j'ai pas gagné beaucoup d'expérience. Ouais. C'est un peu dommage. On va faire... je pense qu'on va cliquer sur cette dernière personne. Dernier objectif. On va se laisser là, ok. Yep. Dernière zone instanciée. Et puis... Attendez, je crois que je me suis bourré. Là. Tout à fait, je me suis bourré. Ok, fallait faire ça. Ça va vestir l'équipement. Ah, sérum. Parler à Cerber. Bon, on va parler à ce vieux... mec, là. Alors, oh, faut que je leur tape le chemin. Toi, tu me suis, ouais. C'est presque que... On avance. Ok. Entrez, agent. Parlons un peu. Callio, attendez dehors, s'il vous plaît. Un des observateurs s'occupera de votre débriefing. Nous devons discuter des termes de... Je vous promets que vous recevrez une juste compensation. Vous pourrez discuter des détails avec un observateur. Si vous le dites, amusez-vous bien tous les deux. Merci. Bon, j'ai étudié le rapport de vos activités sur Uta. Vous avez été plus actif que je l'espérais. Ça pose un problème, monsieur ? C'est ce que j'aimerais arriver à déterminer. Vous avez fait preuve d'une efficacité redoutable au cours de votre mission. Je suis sincèrement impressionné. Vous avez usé de la violence comme d'un outil, et pas comme d'un support. Les agents capables de trouver cet équilibre sont rares. J'aimerais savoir pourquoi vous avez rejoint les services secrets impériaux. Je suis patriote. Je me suis engagé afin de servir l'Empire et son peuple. Des sentiments idéalistes? Quel dommage. Vous risquez de subir des déceptions. Ce travail n'a rien de glorieux. Nous sommes des éboueurs. Ah bravo. Nous nettoyons derrière les militaires et les sites. Nous faisons ce que personne ne veut faire. Sans nous, pourtant, l'Empire s'écroulerait. Nous faisons donc ce qui est nécessaire, même si c'est ingrat et salissant. Moi, vous comprenez ? Ce qui est gras. Je ne suis pas d'accord. Avec tout le respect que je vous dois, c'est votre opinion, pas la mienne. Réfléchissez-y, agent, dans votre propre intérêt. Moi. Passons à votre prochaine mission. L'un des mandats de notre organisation consiste à éliminer les dissidents et les terroristes au sein de l'Empire. Nous avons localisé une cellule de radicaux au cœur de la capitale, qui cherche à renverser le gouvernement. Nous devons savoir précisément ce qui se prépare. Compris. Voilà qui devrait être facile. Nous avons intercepté des conversations laissant penser que les radicaux prévoient une attaque majeure imminente. Mais nous n'avons pu identifier qu'une poignée de membres. Vous allez enquêter sur cette cellule et obtenir ses plans. Deux agents vous assisteront, et vous bénéficierez du soutien total de la Citadelle. Je recommande Cali. Calio et moi avons travaillé efficacement sur Uta. J'aimerais l'utiliser à nouveau. Je pense que cela peut s'arranger. Observateur 2, veuillez me rejoindre dans mon bureau. Amenez Calio Janis avec vous. Oh. Observateur 2. Bonjour. C'est charmant comme nom. C'est Twi'lek ? C'est basique. Contrairement à beaucoup d'autres civilisations, l'Empire apprend à compter à ses enfants. Observateur 2 au rapport, monsieur. Ah, Callio sera votre assistante sur le terrain. Elle vous fera ses rapports et obéira à vos ordres, puisque vous semblez en mesure de la mettre au pas. Tu vas avoir la classe avec moi. Ouais, je sais. Tu devrais me remercier. Observateur 2 vous servira de liaison avec la base. Elle restera en contact à distance et vous fournira les détails de vos missions. J'ai pas mal entendu parler de votre espèce. Vos compétences uniques devraient nous permettre de former une équipe efficace. Hey, salut! Ce sera un plaisir. J'ai de la chance d'avoir réussi à taper dans votre œil d'observateur. Je suis le produit de 6 générations de reproduction sélectionnées. Je suis capable de planifier mentalement des trajets hyperespace. Ok. Vous m'excuserez si je reste insensible au charme d'un alien. Pardon? Si vous en avez terminé,
pourriez-vous nous résumer la situation actuelle? Notre première piste sur les radicaux se trouve sur le site d'une rébellion d'esclaves, en bordure de Cass City. Vous avez été équipé avec tout le matériel nécessaire. Okay. Une fois que vous serez sur le terrain, contactez-moi grâce à l'holocommunicateur et je vous donnerai tous les détails. Allons. Si on veut que ce travail soit accompli, il serait temps de s'y mettre. Effectivement. Vous n'êtes pas en infiltration. Identifiez-vous en tant qu'officier des services secrets si nécessaire. Et usez à bon escient de la peur que cela engendre. Vous êtes désormais en territoire impérial, agent. Bienvenue chez vous. Merci. Ok, c'est bon, j'ai pris cette foutue quête. Donc sur ce, bon, on va se laisser là, hein. Ça fait 45 minutes, voilà, ça fait un peu plus. Et la prochaine déjà fois, déjà. La prochaine fois, on s'organise une petite instance, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, et la fois d'après, on continuera les quêtes de classe, et entre temps, on fera juste toutes les quêtes annexes. Ok, pas de problème. Bon, bah sur ce, on vous dit à la prochaine, et portez-vous bien, salut Steak. Ciao. Thank you.